On peut Ouais, sortir, putain, t'as capitaine. l'air. Ok, on sort. Dispatchez-vous dans la zone, messieurs. On se prépare. Permission pour la captain. Affirmatif, Spartan. Permission aux ARF d'aller faire une reconnaissance. On vous enverra toutes les informations nécessaires. Ok, mais vous êtes discret. J'ai bien compris, pas de motojet reconnaissance au grappin sur les hauteurs. De toute façon, vous approchez pas de l'ennemi. On n'a pas de motojet. Reçu. Et aux jumelles, pas plus loin. Bah, pas plus près, aux jumelles. Ok, squad Torrent, on attend les ordres. Enfin, on attend de savoir ce qu'on va faire. La compagnie Torrent, toi, capitaine. Capitaine, ben respect. Repos. Demande d'un pilote de prendre un chasseur afin de faire une patrouille. Négatif, j'ai envoyé l'ARF en reconnaissance. Comment s'est déroulée votre opération, capitaine? Parfait, bah vous avez vu. Le pont principal a explosé à merveille. On avait piraté les systèmes de commande en passant. Mm-hmm. Est-ce que vous avez pensé à permettre aux commandes à récupérer un maximum de données? On a récupéré la tête du droïde commander de du vaisseau. Ils peuvent peut-être contenir les données de certaines planètes conquises par les séparatistes et que nous pourrions les libérer plus tard. Affirmatif, on l'a laissé sur le Venator. Très bien. Je vais aller m'occuper de mes gars. Quand on doit y aller, vous pouvez envoyer un message radio, capitaine. Reçu. Je suis disposé. Affirmatif. Compagnie Torrent, on va faire un briefing par rapport à ce qui s'est passé. Sonar, vous allez m'appeler les retardataires qui sont plus loin. Bien sûr. Top, on fait un briefing. Donc, et salut tout le monde, c'est Ezwad. On se retrouve aujourd'hui avec le Capitaine Rex ainsi que la compagnie Torrent pour une mission. Donc, on se retrouve juste okay, après unité, l'épisode dernier. La... Donc, là, on fait le petit briefing avant l'opération. Tous, on a pu faire exploser. Leur providence, donc félicitations à tous. Rien d'anormal à noter, très bonne cohésion de groupe. Ici, comme vous avez compris, on va devoir chercher une base ennemie. On va attendre le rapport de l'ARF. Messieurs, pendant ce temps-là, je vous laisse disposer et vous préparer au mieux à l'attaque. Merci. Bon, messieurs, disposez. Vous attendiez les ordres. Est-ce que vous me recevez, capitaine? Est-ce que vous me recevez? Affirmatif, je vous reçois, Major. On a quelques difficultés à garder contact, mais on a réussi à percer légèrement le blocus. La flotte de l'Open Cercle est en train d'arriver pour nous venir à l'aide. Mais ça va prendre du temps, donc je vous prie de tenir la position. Reçu, nous tiendrons. Nous allons entamer une attaque en urgence, étant donné que vous nous êtes posé en urgence, essayez de ne pas vous trop vous disperser. Essayez de réunir le plus d'unités possible. Après là, les RF auront, une fois que les RF auront fait leur reconnaissance, ramenez-la à la base. Le major semble stressé, pas vous? Sergent? Affirmatif. Y aurait-il pouvons-nous envoyer des DV19. Demandez au major pour tout ce qui est chasseur. J'ai demandé au lieutenant Harpox de mettre des hommes sur les murs, mais actuellement ça n'a pas l'air de se faire. Pour donner à la RF de revenir à la base, je répète, pour donner à la RF de revenir à la base. Top. Affirmatif, mon capitaine. Escouade Alpha, ici le sergent 5, le capitaine Rex vous a ordonné de mettre vos hommes sur les murailles. On va pouvoir tenir très longtemps, il faut vous dépêcher. Ah, on a entendu ce que j'ai dit, mon capitaine, excusez-moi avec la radio. Non, c'est bon, laissez. Torrent, je pense qu'on va effectuer encore une fois une mission commando. Top. Top. Affirmatif. Vous allez me trouver un pilote, le meilleur des pilotes, de préférence, qui vient ici.
Voilà le debriefing sur les... Enfin, voilà le briefing par rapport aux RF. On va à leur rencontre. Non, c'est pas des RF, si, si, c'est des RF. Si, si, des RF. Unité, rapport. On a rapport. Trouvé un mur. On a trouvé un mur juste là-bas, monsieur. Il bloque tout, sauf qu'on peut passer par la falaise avec des grappins. Tout, on peut aussi passer en vaisseau. Ouais, c'est Bah, il faudrait qu'on soit équipé de grappins. On va tenter quelque chose avec la Torrent et avec la ARF. La ARF nous montrera le chemin et nous on nettoiera. Et on est rentré à la base. Capitaine. Affirmatif. Sergent, nous sommes avec la Torrent et on peut voir. Nous sommes en train d'équiper une sorte de pont après la grosse barrière. Ok. Reçu. On a entendu dire qu'il y avait eu un mur. Donc on va tenter de l'avoir avec les ARF et la Torrent. Les ARF vont nous montrer le passage et la Torrent va être nettoyée. Reçu, sergent. Sur la gauche, on est passé, il y avait absolument rien, on pouvait vraiment se glisser jusqu'au fond. Reçu. Sans aucun sous-entendu. Top. Tu me. Et Aspartan, cette fois-ci, fais gaffe à tes hommes. Hein. Pilote, j'ai rien reçu, mais pourquoi? Non, rien. Ouais, tu viens pas de notre mission sur Ichi? Juste un qui a eu mal. Hein? Tu te souviens pas de notre dernière mission sur Ichi? Et ce qui s'est passé? J'étais même pas là. Ouais. Fais genre. Je vais aller me. Ouais, c'est ça. On verra qui aura tué le plus de temps. Ouais, c'est ça. On fera quoi? Non, mais pas celui du fond. Enfin, je vous ai demandé de patrouiller sur les murs. Mais les murs utiles, quoi, au minimum. Oui, voilà, il nous a dit de patrouiller sur ce mur-là où on était 4 à gratiner dessus. Bon, bah, je veux dire de changement d'ordre, on va pas patrouiller sur une falaise, non. C'est débile. Merci, c'est ce que je voulais savoir. Bon, ARF, Torrent. ARF, Torrent, préparez-vous. Monsieur, ligne. On va montrer le chemin à la Torrent. Mais j'espère que. Ils auront aucun droit à tuer, messieurs. À toutes les unités, l'ARF et la Torrent vont tenter une mission. Pendant ce temps-là, je veux que le reste des unités continuent à défendre la base. Vous aurez aucun droit, FaZe. Ah, c'est ce qu'on verra, Spartan. T'inquiète pas. Pilote, préparez-vous une extraction dans le cadre où j'aurai des problèmes. Préparez avec votre vaisseau, soyez prêts à tout moment. Messieurs, demi-tour. Ok, Torrent, on les suit. Il va nous ouvrir le passage. Armement, messieurs. Cosmos, tu passes devant. Je sais absolument pas où t'étais. Top, essaie de garder un œil sur l'arrière. Torrent, on est parti. En position défensive, Torrent, autour du capitaine. J'attends de voir quand ils seront montés. Ok, Torrent, on monte. Ah, je n'ai pas de grappin. Allez-y, montez tous les deux, je vous couvre, je monte en dernier. J'en ai un en poche. Merci. On monte. Essayez de longer. Prenez votre temps pour longer. Ah, je peux plus bouger moi. Je peux plus bouger. Ah voilà. Ah, top, garde un œil sur l'arrière comme tout à l'heure. On glisse trop mon capitaine en cas. Five, pas de problème. Affirmatif. On peut pas plus monter, Captain. Viens à l'avant. Je crois que t'as des jumelles, il me semble. Affirmatif, attendez. Non, monsieur. Ça va passer. On en a nous aussi, hein. Absolument rien. Rien visuel, mon capitaine. Info sûr. Info sûr.
On va devoir continuer à terre malheureusement. On rentre à la base, On rentre à la base. Vous avez entendu en recul. Par contre, Five, on va leur laisser une petite surprise pour ce qui est de leur mur. Ah, vous êtes sûr qu'il appartient à des séparatistes? La base est sous occupation séparatiste. Ce qui appartient aux citoyens appartient aux séparatistes techniquement, donc oui. On suit le capitaine. Redescendez, redescendez. Un torrent, position défensive. Attention. Capitaine, je reste sur les hauteurs pour vous couvrir. Eh ben j'en ai sur moi. Attendez messieurs, mettez vos positions défensives pour couvrir le capitaine et votre sergent. On fait un tir de couverture, on essaie de regarder derrière, prenez les snipers, même si c'est notre camp, on regarde quand même. Sergent, mon sergent chef, puis je vais mettre en couvert. Prenez-moi quand en fait. Sur moi, messieurs, toujours en mode défensif. Aspirant, je vous conseille de vous écarter de moi. Carte, tout le monde s'écarte, tout le monde s'écarte, oui, écartez-vous. Je comprendrai. C'est magnifique. Tout holographique. Tout simplement magnifique. Ok, on s'écarte, on a fait le... Négatif, c'est sûrement une embuscade. Ils n'auraient jamais posé un mur ici et fait un autre côté safe. On prend... De toute façon, ça nous a pas eu, c'est beaucoup de choses. Bon, on bouge. Et de toute façon, ils sont... Ouais, ils sont là, on vient de faire un blocus. Allez, hop, on est là. On retourne à la base. Bourré. Ok, on attend ici quelques secondes, on va attendre de voir l'état-major. Je sais pas si l'état-major d'ailleurs est occupé ou pas. J'imagine qu'on n'a plus de transmission, je vais essayer de rétablir la transmission avec l'état-major, bougez pas. Capitaine ? Venez messieurs. Ligne. Comment s'est déroulée la mission ? Avec succès, on a pu détruire le mur qui avait placé les séparatistes. Et donc nous avons fait une reconnaissance sur une base des IRS pour l'instant. On va attendre. Major est injoignable, je confirme. C'est pas beaucoup plus calme. À toutes les unités, préparez-vous à repartir. On va lancer une offensive sur une zone qui semble être une base. Préparez-vous à repartir, on va lancer une offensive sur une zone qui semble être une base. On va attaquer ce qu'on a vu de loin. La base à toutes les unités, descendez des murailles et rejoignez-nous en double colonne. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi Monel joue Rex, parce que Rayleigh était indisponible. Vous allez me placer sur le flanc de la colline et je joue tout le monde au niveau sniper. Vous allez couvrir les hommes aussi pour attaquer la base. Quelle colline? Quelle base en fait? Celle qui est tout au fond ou celle qui est au milieu? Au milieu, il n'y a pas de base au fond je crois. C'est comme ici, il y a un terrain d'atterrissement. Ok les filles, on me suit. Arrête, dépêchez-vous. Faites une double colonne. Capitaine. Maintenant préparez vos hommes à partir. Affirmatif. On va attaquer le cours des troupes. Oh,
en ordre de bataille. Enfin, visiblement, les messieurs. Capitaine. Ils vont plus mal. Les artillons restent à la base, on fait quoi? Vous prendrez vos unités d'artillerie et vous les poserez une fois sur le champ de bataille. Ah bon. D'accord, je vais la chercher. Ok, tu la ramènes ici. On attend que les ARF soient bons et on part. Je recevrai le même message des ARF quand ils seront. Voilà. Repos, repos. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, 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 pardon. Qu'est-ce que vous foutez là, allez dans la double colonne. Les hommes sont prêts, capitaine. On attend que les arrières soient prêts. Face droite. Ouais, casser les droits de combat. Affirmatif. Les AF sont normalement en position, je vais leur je vais les prévenir. Très bien. ARF radio numéro 100. Notre radio est à 94.1 si jamais nous venons à être séparés sur le champ de bataille, capitaine. Bien. Ici le capitaine Rex, vous me recevez. Parfait. C'est... Je vais mettre derrière. Mais c'est vous que je vais mettre derrière. Je vais mettre derrière. Reçu, on va quand même envoyer les troupes, on va prendre position. À toutes les unités, allez prendre position sur la base. Le moindre droïde, vous me le défoncez. Unité, en avant. Allez, on éclate du droïde de 4. On va éclater du tas de ferraille. Allez, c'est parti. Allez, c'est moi qui m'en arrache. Allez, on se bouge le cul. Ça, c'est un déferlement de la Légion, messieurs. Du jour, ouais. On est parti en assaut. Capitaine. T'as cru qu'elle était transportable ou quoi? Oui, elle est transportable. Ah oui, c'est un peu le principe d'une tourelle. Mais t'as vu la taille de la tourelle et c'est la transportable. Vous avez peut-être des problèmes au niveau cérébral? Vous voulez pas vous faire? Lieutenant, je me mets avec vous vu que j'ai pas été assigné. Non, c'est moi qui vais le faire le plus. Il y a l'autorisation, alors taisez-vous là, les unités qui se taillent. Je te mets au défi. Merci de quoi. À toutes les unités, prenez position dans la base. Ne sortez pas de la base, rentrez dans la base, vous prenez position. Torrent avec moi. Ouais, je me suis fait. Elle semble être abandonnée, hein, à première vue, et selon les rapports. Ensuite, le capitaine, messieurs. Je dois vous laisser une pause mentale une dizaine de minutes. RS. À première vue RS. Dans toute la base. C'est inquiétant. Dogma est parti. Donc si ok, pas trop la vue top. Il a dû nous abandonner pour cause. Alors capitaine, on a une autre porte là-bas. On va aller la voir comme la dernière fois. Ah, il y a une autre porte. On pourrait la prendre, on pourrait la prendre avec la torrent. On va voir cette fameuse porte, monsieur. À première vue, il y a RS, c'est pour ça qu'on y va juste avec la torrent. Pour pas être remarqué par l'ennemi. Et les ARF sont déjà en position sur le flanc, donc on va pas les déranger pour ça.
efficace à première vue. Attends, c'est quoi ça? Five, avec moi. Humel, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une base complètement fermée. On dirait un complexe. L'information est sûre, c'est une base ennemie? Ou c'est une base? Juste une base, je peux pas confirmer que c'est ennemi ou non. Et elle a bien été renforcée par un poral. À couvert! Je suis protection. C'est une base ennemie, alors, je pense qu'ils vont tirer dessus, capitaine. Torrent, avec moi. Affirme. On va aller vérifier si c'est une base ennemie. On va pas avoir toute la tour, enfin toute la légion là-dessus, si c'est pas une base ennemie. Je vais demander l'appui des RF. La base est fermée par des murs, on devra la faire exploser si vous voulez rentrer. Par l'entrée principale, je trouve que ça explose beaucoup vers notre base. RS sur les murailles. Que vous pourriez monter sur la colline. Ici, le capitaine Rex. ARF, est-ce que vous me recevez? Attendez, top. Je vais vous demander d'avancer. Il y a la même base de ce que nous on a de l'autre côté du. Il est. On va tenter quelque chose avec la torrent. Je veux qu'on soit couvert. Nous sommes déjà en train de faire un appui intérieur avec nos snipers. On est déjà en train de les laver à l'intérieur. Vous pouvez y aller, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que fout la Légion? Terminé. On a nos hommes en face. Cette légion. Droïde. Oui. Y'a rien. Mon... Attendez, je vois visuel sur une navette séparatiste. Reculez, reculez-vous de derrière moi. Reculez-vous. Navette séparatiste. Touché. À l'assaut. La légion va nous porter appui. Go. Vas-y. On a qu'un seul côté pour être... Rappelez-vous, capitaine, les rapports parlaient d'expérience. Donc s'il y a des espèces vivantes à l'intérieur, je vous en ramenais au minimum une. Ou vous m'en rapportiez un extrait ou quelque chose dans le genre. Multi-cible. Multi-cible. Section stoppez le feu, section stoppez le feu et avancez. Prenez la base, cessez le feu, droïde, y'a plus de droïde, cessez le feu, prenez la base. J'ai l'impression de détruire les vaisseaux, mon capitaine. Sur quoi êtes-vous tombé? On a réussi à percer le blocus en haut. Sur quoi est-ce que vous êtes tombé, capitaine? Le Torblox! Vous êtes sergent Spartan, alors ce sont une espèce de parasite. Ces choses rentrent en vous, prennent le contrôle de vous et vous transforment en monstre. Sans des expériences. Terminé. Capitaine, il y a des enfants morts dans les cages. Permission. Je vais tout péter. Les gars, je vous jure, faites ça, je vous envoie au cours martial. Vous rangez ce bazooka et vous allez de l'autre côté de la base. Vous écoutez les ordres. J'ai un contact de l'autre côté de la base. Que qui avait envoyé ça auparavant. Five.
arrêtez de bouger de là. On se rejoint de... Allez tous de l'autre côté de la base, de la base, je vous rejoins là-bas. Bye. Bye. Pardon, j'ai besoin de toi. T'en penses quoi? Il faudrait les accrocher aux canonnières et pouvoir les ramener sur le Vénateur dans une cuve spéciale. À toutes les unités, stoppez le feu. Les véhicules sont endommagés largement assez. Que toutes les unités se préparent, on va se préparer une extraction. Toutes les unités ordonnées en colonne, dans le fond de la base. Pas du côté où il y a les créatures. Faudrait pas les tuer les créatures, messieurs, capitaine. Négatif, ça va profiter à la République. Top avec moi. Arplox, allez préparer les hommes. Capitaine, Magnificent vient de survivre, il est en train de se diriger vers la planète. Vous êtes pas vous dépêcher là. On boule de là. Mon major, on a trouvé des créatures. On a deux solutions. Ou on les détruit, ou vous nous envoyez de quoi les exfiltrer. Bah êtes-vous, compagnie Thorin? Vous approchez pas des portes. Sans Greg Wing, vous ne pouvez pas détruire ce Magnificent. Donc déjà, vous les exfiltrez et vous avez intérêt à vous dépêcher à partir. Ce major, est-ce qu'on déclare Magnificent, je vous rappelle. Major, est-ce qu'on exfiltre les créatures ou on les détruit? C'est une espèce. Vous les détruisez, vous exfiltrez une créature et vous détruisez tout le reste. Vous avez entendu les ordres, détruisez-moi tout ça. Capitaine Rex. Non, bah une seule, il a dit, donc on peut garder la Capitaine Rex, ces choses sont aussi de la clone en fait. Aïe! C'est pas grave. J'ai pris des ricochets. C'est plus vraiment des clones à cette époque. Oh, il y a des armures de clones à l'intérieur. Vous voyez bien qu'il y a un champ de force. On garde celle de milieu, on garde celle de milieu. On garde celle du milieu dessus, on lui tirait au lance-roquette sur le champ de force. On garde celle du milieu. Personne ne tire sur celle de milieu. On la laisse tranquille. Oh putain, j'ai mal la conne. C'est quoi ce bordel? Tu veux jouer à ça? Elle est aussi belle que la tulette que t'avais pêché sur Richie à Spartan. Sur Alderaan. C'est une bonne blague ça. Et on garde celle qui saute là. Celle-là on la garde, celle-là on garde. Et on va parler du Wookie que tu t'es tapé. Du Wookie. Oups. J'ai un peu de crolli. De toute façon les tweaks elles sont toujours belles. Ok, à toutes les unités on décolle, les canonnières va venir chercher la dernière expérience. À toutes les unités on bouge de là, décollez. Bougez de là. Oh là là. Montez à l'intérieur, soldats. On peut pas laisser l'artillerie. Vas-y. Allez, on monte. Et pour cette merde, vous reculez. 30 secondes.